Félicitations pour la victoire d'hier. Je n'étais pas présent lors du point de presse, donc je tiens à le mentionner. Belle performance de votre équipe. Wilfried, il y a eu des moments. Vous avez eu toutes les raisons à un certain moment donné de, je dirais pas d'abandonner, mais disons de casser avec tout ce qu'on a vécu en début de saison et tout ça. Il y a eu une période où il vous manquait beaucoup de joueurs, partis à l'international. Là, vous avez une séquence de matchs extrêmement compliquée et pourtant, les... Donc, je pense que, comme hier, on a eu une première mi-temps où ben, ils ont bien défendu, où on aurait pu prendre un but ou deux et finalement, on a fait le dos rond. Et en deuxième mi-temps, les joueurs ont su monter l'exigence, l'intensité. Et donc, c'est ça l'équipe. Donc, du coup, c'est de rester concentré sur ce qu'on fait de bien et de ne pas trop s'inquiéter de l'adversaire, de se concentrer sur nous. Et la façon dont on travaille jusqu'à présent, ben, je suis satisfait. Je sais qu'il y a encore des matchs à venir. Je sais qu'on peut perdre des matchs, qu'on peut gagner des matchs. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir la dynamique de groupe. Et la dynamique de groupe, elle est intéressante. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est sur la même page avec les joueurs. On se fait avec Dave Lévesque. Oui, bonjour Wilfried. Bon, évidemment, il y a un match mercredi. Les matchs se succèdent énormément. D'un point de vue extérieur, on se dit que c'est peut-être un adversaire qu'on pourrait présumer légèrement plus faible. Donc, une belle opportunité de faire tourner l'effectif, mais j'imagine que tu ne l'abordes pas du tout de cette façon-là, toi, en tant qu'entraîneur, n'est-ce pas? Ah, effectivement, un match, c'est un match. Et par expérience, dans ma carrière, guerre de joueurs en deuxième division et même quand j'ai joué en national en troisième division, ben, on voulait toujours gagner en Coupe de France à l'époque, donc contre les meilleures équipes que nous. Donc on sait très bien que ce match-là va être un match de coupe. Donc on sait très bien dans tout le monde entier que ces matchs-là ce sont pas des matchs faciles parce qu'il y a toujours des surprises. Et donc moi, je suis en train de réfléchir avec mon staff, qu'est-ce que l'on va faire. Mais comme j'ai dit aux joueurs, la Coupe du Canada, c'est une opportunité de gagner un trophée le plus vite possible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Et à la suite de ces matchs gagnés, on peut avoir un trophée. Et en même temps, on peut faire la Ligue des champions. Donc, c'est... Elle nous tient à cœur, on a envie de bien faire. Et je vais mettre une équipe qui va tout faire pour remporter ce match-là et aller le plus loin possible pour retrouver des émotions d'avoir gagné cette Coupe du Canada et de faire la Ligue des champions. C'est ce que l'on veut faire aussi en parallèle des matchs de championnat où on veut aussi aller le plus haut possible. Donc voilà, un bon challenge pour tout le monde. Gavino de Falco. Merci beaucoup, Pat. Bonjour, Wilfried. Wilfried, est-ce que ça ajoute une certaine pression parce qu'on regarde le classement? Bon, vous êtes les mieux classés en MLS. Le chemin est quand même libre jusqu'en finale pour affronter soit Toronto ou Vancouver. Par contre, quelle leçon on retient d'il y a 2 ans? Je me souviens, lors des matchs contre York 9 et Cavalry, ça n'avait pas été facile. Donc, un peu commenter là-dessus. Là. Merci. Ouais, merci de me rappeler ces matchs-là. Ce sont sincèrement un match de football sur 90 minutes, tout est possible. Bien entendu, nous on joue en MLS, on est supposé gagner et c'est ce que l'on veut faire. Mais c'est une opportunité pour les équipes, en l'occurrence une équipe CPL, avec des anciens joueurs de chez nous qui étaient à l'académie auparavant, des joueurs qui n'ont pas pour l'instant eu l'occasion de jouer en MLS, donc ils vont tout donner pour justement essayer de nous battre. C'est ce que Vancouver a perdu contre une équipe de CPL aussi. Et nous, je me rappelle, il y a 2 ans, on avait de la difficulté. On a eu énormément de difficultés. Déjà, d'une, New York avait très bien joué au football. Et la deuxième équipe, chez eux, à l'extérieur, match pas facile parce qu'on joue dans un environnement qui est différent. Je me rappelle qu'on avait joué, que la pelouse à l'époque, elle n'était pas coupé comme on a l'habitude de jouer. Il n'y avait plus beaucoup de lumière, malheureusement, aux alentours de la 70e minute, mais on a quand même gagné ce match 1-0. Mais moi, je ne m'attends pas à gagner 5, 6, 7, 0 ou quoi que ce soit. Je m'attends à un match de football où mes joueurs et nous, staff, on doit être très concentrés sur ce match-là parce que c'est un match qu'on veut gagner, bien sûr, mais on sait très bien que ça ne va pas être facile. Mais c'est la coupe, c'est le charme de la coupe.
Olivier Brett. Merci, Pat. Will, je suis arrivé, je pense, après la première question. Je m'excuse si ça t'a déjà été posé. Vous voyagez pour le championnat canadien dans le milieu d'une séquence qui est super chargée en MLS. Je présume que tu ne voudras pas rentrer dans les détails, mais y a-t-il des joueurs qui, de manière générale, jouent un rôle important qui ne feront même pas le voyage, au-delà de même pas, de pas être sur l'once de départ? Non, non, tout le monde va voyager. Je peux faire voyager. Tout le monde voyage, c'est la coupe. Les personnes... Peut-être deux jeunes ne vont pas voyager, mais après, tout le groupe part. Et après, je prendrai une décision mercredi pour savoir les 18 joueurs qui vont être sur le banc pour ce match-là. À nouveau, Jérémy Filosa. Oui, coach, vous avez plusieurs options, bien sûr, là, par exemple, en milieu de terrain et sur les ailes, surtout avec les jeunes là, qui attendent de jouer des minutes avec la première équipe, sauf qu'en défensive centrale, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et je présume que si vous pouviez compter sur un Kiki Struna pour ce match-là, ça vous ferait plaisir. Est-ce que c'est possible de le revoir dans l'alignement? Et sinon, étant donné le nombre de minutes que les autres défenseurs centraux ont disputé dans les derniers jours, est-ce que ça vous force la main à repenser votre schéma tactique, par exemple jouer avec une ligne à quatre? Merci. Bien amené la question pour savoir si Kiki est disponible ou pas. il ne sera pas disponible, il est toujours absent, il est toujours en train de revenir, donc il ne sera pas disponible pour ce match-là. Et oui, j'y pense parce qu'effectivement, comme vous savez, depuis le début de l'année, je dis que on peut jouer à 4, qu'on peut jouer à 5. J'ai pas voulu changer beaucoup de fois le fait que l'on joue à 5 parce qu'il y a une bonne dynamique au niveau du groupe, donc pourquoi changer? Et mais pour la coupe, effectivement, je me pose la question, donc il se pourrait que je fasse ça ou que sinon je m'organise différemment, je vais mettre une équipe, encore une fois, comme vous le savez, j'aime faire des rotations, mais l'équipe que je vais mettre, comme d'habitude, elle sera compétitive parce qu'on a envie d'aller loin. We have any questions in English? So please raise your hand, Frédéric Daigle. Oui, merci beaucoup. Merci, Wilfried, de prendre le temps aujourd'hui. Si j'ai bien compris, si vous battez le Wanderers, le prochain match du championnat canadien s'insère dans vos deux matchs de la semaine prochaine. Est-ce que j'ai bien compris? Puis si c'est le cas, quel genre de problème ça amène? Ben, déjà, on est en train de voir au niveau des dates, il se peut que ça soit ça ou sinon un peu plus loin. Mais le problème que ça amène, c'est que ça rajoute des matchs en plus et que pour la récupération, c'est pas facile, sachant que quand on joue le mercredi et après on joue le samedi, c'est la pire des choses pour les joueurs pour répéter les efforts. Donc, ma réflexion va être sur le management au niveau du groupe, qui je fais commencer, qui je fais pas commencer, et sur la durée. Parce qu'on a envie de jouer les deux compétitions. Donc, je vais m'appuyer sur mon groupe pour justement continuer sur ces deux compétitions-là. In English, Benedict Rhodes. Thank you, Wilfred. As we've seen with some other teams in this competition, there seems to be an extra motivation, I guess, for players playing against their local team. And Halifax has a bunch of former Montreal Academy players. Do you think that'll be extra motivation for Halifax? Yes, I know that we have a lot of ex-player in Halifax. So again, it's going to be a good motivation for them. But me, I like it because the objective for my team is to focus on the game and focus on what they need to do with the ball and without the ball. And we're going to have to be aggressive and we're going to respect this team, but we want to play the one we want to play. And obviously, it's normal that the opposite team wants to beat us, and especially also the ex-players. But this is good. I like it, and it's going to be good also for me, to see my ex-players. François Leblanc. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi les pièges à éviter là, pour dans cette compétition-là contre Halifax, sachant qu'ils sont une des moins bonnes équipes de la Première Ligue, puis en plus de ça, vous êtes quand même une équipe de la MLS. En coupe, il n'y a pas de moins bonnes équipes ou il n'y a pas de MLS. Ou, encore une fois, oui, on a le statut de MLS. Oui, ils jouent en CPL. Oui, on est favori, pas de problème avec ça. Mais encore une fois,
L'idée, c'est de faire un bon match et de mettre l'intensité et les ingrédients nécessaires pour battre cette équipe-là. Mais sur un match de coupe, tout peut se passer. Et pour l'avoir vécu en tant que joueur ou entraîneur, la meilleure des choses à faire pour nous, c'est de se concentrer véritablement sur ce que l'on veut faire nous, sachant qu'il va y avoir un environnement qui va être différent. Mais voilà, donc, on se concentre sur nous. Gavino, une autre question? Oui, merci, Pat. Will, par le passé, je pense qu'on avait un peu de misère à trouver trois joueurs canadiens sur l'alignement partant. Par contre, cette année, les joueurs canadiens font le travail. Ce n'est pas des joueurs de profondeur, mais c'est des joueurs de 11 partants, comme Pantémis, Breza, Kamal Miller, Joel Waterman, Mathieu Chouanière et j'en passe. À quel point ça facilite ton travail, sachant que tu sais que ces gars-là vont faire le travail là, peut-être mercredi? Merci. Déjà, c'est une fierté. C'est la première des choses. Je suis très fier de voir que les années précédentes, on avait de la difficulté à avoir des joueurs canadiens. On avait des joueurs canadiens, mais c'était différent. Et là, cette année, comme vous voyez, on a plus de joueurs canadiens. Et ils participent au match. Et donc, du coup, moi, je suis très content de ça parce que, oui, on a droit, si je ne me trompe pas, il faut qu'on ait trois joueurs canadiens qui commencent le match. Donc, ça ne sera pas difficile pour moi de les trouver parce qu'on en a, en masse. Donc, je suis très fier de ça dans un premier temps. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on fasse bien dans cette Coupe du Canada. Cédric Angon. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Bonjour, Will. Désolé pour le petit souci technique. Peut-être que cette question a déjà été posée, mais vite pour savoir, dans un match comme ça, contre une équipe plutôt régionale, avec, oui, c'est vrai, des joueurs qui ont de l'expérience un petit peu avec le club élite de Montréal. Est-ce qu'il y a quand même des appréhensions, par exemple, un match un peu pourri avec des blessures ou bien un scénario catastrophe? Est-ce que c'est un scénario quand même que vous avez anticipé et auquel vous avez préparé vos joueurs? Oui, l'idée, c'est justement de... Les joueurs sont au courant de ça, ils savent ce que c'est. J'ai prévu de leur montrer certaines choses pour qu'ils voient de leurs propres yeux c'est quoi un match de coupe. Et un match, c'est quelque chose qui est différent par rapport au championnat. Donc, je vais les préparer à ça. On a déjà discuté de ça, la façon dont je gère l'équipe, même depuis le début de l'année. Parce qu'il ne faut pas oublier que, encore une fois, le championnat n'est pas terminé, mais en début d'année, on disait qu'on n'allait pas aller très très loin. Et nous, on se concentre sur nous. Et ce que je vais mettre en place avec les joueurs, c'est qu'au niveau football, oui, on doit faire quelque chose. Mais après, au niveau mental, on doit être très bon. Parce que c'est des matchs qui sont différents. Mais je vais préparer les joueurs avec mon staff sur ça. Deux dernières questions avec Wilfried. Olivier. Oui, merci encore. Will, hier, Marco Di Vaio était au stade. Je présume que ce n'est pas une visite de tourisme. Ben, si c'est le cas, tu peux peut-être nous le confirmer. As-tu eu la chance d'avoir des échanges avec lui? Puis est-ce qu'il y a des dossiers particuliers en ce moment avec des échanges quelconques entre Bologne et Montréal qui expliquent son passage ici? Non, on a échangé, bien sûr. Marco, c'était un plaisir de le voir à chaque fois. On a pu échanger et discuter un peu. Et l'idée, c'est qu'on aimerait mettre en place ça avec Olivier, que Marco vienne une fois aussi par année pour discuter, échanger avec tout le monde. Donc, c'est l'objectif aussi. Et après, pour tout ce qui est dossier et tout ça, je ne suis pas dans les discussions par rapport à ça. Mais non, c'est une bonne opportunité de le voir et de voir aussi d'autres personnes. Et on termine avec François Leblanc. Merci. Une question à deux volets. Il y a plusieurs joueurs universitaires, là, qui, dont entre autres des anciens des Carabins, là, qui jouent avec Halifax. Puis vous avez des anciens de l'Académie aussi qui sont présents. Vous, comme entraîneur, avec toute votre expérience, comment vous la voyez après 3 ans, cette première Ligue canadienne de soccer-là? Comment ça vous aide dans le futur? Est-ce que vous avez des échanges avec les entraîneurs, comme par exemple Stephen Hart à Halifax, pour jaser de soccer, jaser de tout ça? J'ai pas eu d'échange. À ce moment précis avec les entraîneurs, chose que je devrais faire d'ailleurs. Mais après, par rapport à la première question, moi je suis très content de la CPL parce que, encore une fois, c'est un outil en plus pour développer et
des jeunes joueurs. Ça leur permet de jouer contre des adultes. Et dans un deuxième temps, je me rappelle que l'année dernière et cette année, en ayant regardé aussi quelques matchs, le niveau est bien. Je vois des équipes qui essaient de mettre des projets en place, des coachs qui mettent des projets en place. Ça se structure. Donc moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'un championnat professionnel dans un pays est très important. Et en l'occurrence, la CPL, pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que déjà, d'une, pour les joueurs, c'est bien. De deux, pour les entraîneurs aussi, c'est bien. Et de trois, pour aussi le pays, c'est bien. Parce que ça aide tout le monde à se développer, que ce soit toutes les personnes que je viens de nommer. Et ça ne fait que grandir. J'ai regardé le match Vancouver quand ils ont perdu aussi. Ce qu'ils ont fait, c'était intéressant. C'est pour ça aussi que Vancouver a aussi de la difficulté. Donc, tant mieux. Et moi, je suis très content de ça. Et je souhaite que ça continue comme ça. Merci beaucoup, Wilfred. Merci à vous. Alors, Rommel va s'amener bientôt et, comme d'habitude, Arcadio va s'occuper de la traduction. Alors, Romel est là, en place. Voilà, Romel. Voilà. Arcadio, tu es là aussi? Oui, bonjour tout le monde. Merci de prendre le temps. On a une première question. Olivier Tremblay. Voilà, Romel. Arcadio, si tu peux lui demander, Mihailović hier disait à quel point il était content que la relation avec Rommel se soit développée comme il l'espérait au début de la saison. Est-ce que Rommel peut nous expliquer un peu c'est quoi les qualités précises qui font en sorte que c'est si facile que la chimie prenne entre lui et Georgi, s'il te plaît? Rommel, ayer, después del partido, Georgi... dijo a la prensa que está muy contento de la manera en que tu relación con él en el campo de juego se está desarrollando. Es como él lo imaginaba al comienzo de la temporada. Según tu opinión, ¿por qué justamente la relación con él en el campo de juego funciona tan bien? ¿Qué características tienen que funcionan tan bien juntos? Bueno, primero que todo, pues saludos y... Creo de que con Georgi hemos tratado de, desde el inicio de la temporada, tratar de encontrar esa buena relación, de llevarnos bien dentro del campo, que es lo más importante. Cada vez que hago un buen movimiento, pues él ya me conoce, él ya sabe que tiene que filtrar ese balón ahí. Y ha sido muy importante para los dos porque... Cuando él me asiste, pues la mayor parte del tiempo, pues yo trato de finalizar las jugadas. Entonces creo que en esa parte estamos muy bien. La question, vous l'avez bien comprise. La réponse de Rommel à Olivier, c'est tout d'abord bonjour à tous. Il vous souhaite le bonjour. Il croit qu'avec Mihailović, depuis le début de la saison, c'est une relation qu'il développe tous les deux. Hors du terrain, bien entendu, mais surtout la relation sur le terrain de jeu qui est la plus importante selon lui, de savoir quand Rommel fait un mouvement offensif, de savoir quand lui envoyer le ballon, de trouver cette cohésion-là, ce synchronisme-là. Et la plupart du temps, quand Georgi réussit à lui donner des bons ballons, Rommel, lui, s'assure de finaliser l'action. Ou du moins de pouvoir prendre un bon tir, de créer une bonne chance de marquer. Et c'est vraiment là-dessus qu'ils ont focusé depuis le début de l'année. Et il est content que ça commence à porter ses fruits. On a une autre question. You can also
ask in English and we'll translate in English as well. Gavino. Merci beaucoup. Hola, Rommel. Gracias por tomar el tiempo. Arcasio, est-ce que tu pourrais poser comme question? Écoute, on dirait que lorsque les matchs sont importants du côté de Rommel Kyoto, il lève son jeu d'un cran, notamment à la Gold Cup. Et qu'est-ce que ça représente pour lui de peut-être gagner la Coupe du Canada et de jouer en CONCACAF, là, peut-être contre des pays, contre des équipes de son pays là, dans l'avenir prochain? Merci. Rommel siempre tiene la capacidad de elevar tu juego cuando los partidos son importantes. ¿Qué sentís con esta posibilidad de ganar una copa pronto y de poder igualmente poder jugar en CONCACAF posiblemente con partidos contra equipos de tu país? Bueno, la posibilidad existe. Vamos a trabajar para eso. Tampoco es algo que va a ser fácil de ganar. Vamos a preparar bien, vamos a tratar de partido a partido pues sacar los resultados que nos permitan pues poder ganar esta copa y de igual manera así tener la oportunidad de jugar con equipos de mi país. Siempre que el equipo me necesita pues trato de estar ahí. En momentos más que todo difíciles es cuando los grandes jugadores aparecen, entonces hemos venido haciendo un gran trabajo. Y estoy muy contento con el equipo por todo lo que viene desarrollando. Il dit que la possibilité de remporter ce championnat, elle est bien là. L'important, c'est de continuer de travailler fort, d'être bien préparé, de faire un match à la fois, d'y aller un match à la fois, parce que ce n'est pas gagné d'avance ce championnat canadien. Ce ne sera pas facile. C'est sûr que si le club a la chance de pouvoir jouer la Ligue des champions l'an prochain, pour lui, ce serait encore une fois un grand défi. Il est toujours là lorsque le club a besoin de lui. Il trouve que c'est important de pouvoir élever son jeu d'un cran quand le moment le requiert. Les grands joueurs le font et il est content de pouvoir apporter ce plus-là à l'équipe. Et il est très content aussi de la manière dont le club a évolué depuis le début de la saison, de la manière dont le club travaille. Et selon lui, il s'agit de continuer dans cette voie pour avoir du succès, autant en championnat canadien qu'éventuellement, possiblement en Champions League. Jérémy Filosa. Hola, Rommel. Gracias por tu tiempo hoy. Rommel, te lastimaron dos veces en la temporada. ¿Qué tan bien se siente finalmente estar de vuelta al 100% como el año pasado? Gracias. Sí, por ahí son momentos duros para uno, los cuales no están en las manos de nosotros como jugadores, pero al final pues logré recuperarme y estoy muy contento por eso. Y ya, gracias a Dios, estoy al 100% para poder, pues, ojalá Dios quiera finalizar la temporada de buena forma. La question de Jérémy, c'était qu'il avait eu deux blessures cette saison. Comment se sent-il de finalement pouvoir être revenu et être en très bonne forme? Pour Rommel, Rommel répond que ce sont des moments évidemment très difficiles pour tout joueur où tu sens que tu n'as pas vraiment le contrôle et puis il faut travailler fort pour revenir. Heureusement, en ce moment, il a pu revenir à un bon niveau, avoir de la continuité et il espère vraiment pouvoir transposer cette forme-là d'ici la fin de la saison. Est-ce que c'est tout avec Rommel? No questions for Rommel in English? Gracias, Rommel. Merci, Arcadio. Merci, Rommel. Merci. Et on va enchaîner dès que possible avec Mathieu Choignard. Merci.
Mathieu s'amène à son tour pour cette conférence vidéo d'avant-match. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez une question pour lui. Allô, Mathieu. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes. Première question pour toi, Benoît Rioux. Allô, Mathieu. Petite question rapide. J'ai entendu sur une balado pour dire pour la dose, pour ne pas la nommer, Patrice Bernier disant de toi qu'il ne serait pas surpris de te voir un jour devenir capitaine du club. J'imagine que ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Je me demandais ta réaction. Je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. Je l'ai entendu dire aussi hier, mais c'est pas. C'est. Je suis content de l'entendre, mais c'est pas un truc que je vais prendre de haut. Je vais continuer à travailler fort puis à donner tout pour le club. Salut Philosophe. Salut Mathieu. Félicitations pour la victoire hier. Mathieu, le championnat canadien, est-ce que cette année tu le vois un peu différemment? C'est-à-dire que dans les années passées, c'était souvent une opportunité pour les plus jeunes, aussi les Canadiens, d'obtenir des minutes de jeu. Là, tu es dans une situation, en fait, opposée à ça. C'est que tu joues, tu es partant pour la majorité des matchs MLS. Peut-être que tu ne seras pas là pour le match de mercredi, je ne sais pas. Mais est-ce que tu le vois différemment et est-ce que tu le vois comme une opportunité pour ceux qui suivent un peu dans tes traces, les plus jeunes peut-être? Non, je le vois vraiment pas différemment. Je le vois comme toutes les années. Parce que je pense que tout le monde dans l'équipe a envie de jouer la compétition puis de la gagner. Fait que je le vois vraiment pas comme avant. Oui, peut-être les années précédentes, j'avais moins de temps de jeu puis que comparé à cette année, mais non, j'ai envie de la jouer, j'ai envie de participer avec l'équipe à cette compétition-là et surtout la gagner. François Leblanc. Je me demandais, jouer contre Halifax, ça représente quoi pour vous autres, l'équipe du CF Montréal, étant donné que cette équipe-là joue dans une ligue différente, vous êtes de niveau inférieur, surtout qu'il y a des anciens de l'Académie là-dedans, puis des anciens des Carabins, là. Est-ce que même tu as des contacts, est-ce que tu connais des joueurs de l'autre équipe? Ouais, je connais la plupart des Québécois qui sont à Halifax. Puis, qu'est-ce que ça représente? Mais c'est juste un autre défi, c'est un autre match, il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Parce qu'ils ont beaucoup de qualité, ils savent jouer au ballon, ils ont une bonne équipe. Fait que faut arriver là comme un match, comme tous les matchs qu'on prépare, puis rapporter les trois points. Benedict Rhodes, we'll try in English. Please ask slowly, please, Benedict. Benedict, are you there? Go ahead. No question for Mathieu? Dave Lévesque, on revient en français. Bonjour Mathieu, je passe après mon ancien collègue François et moi, François Leblanc, on a fréquenté tous les deux l'Université de Moncton à la même époque, je trouve ça très drôle. Mathieu, je vais faire du pouce sur la question de François. Parmi tous les Québécois que tu connais assez bien avec Halifax, est-ce que tu as eu des échanges de textos ou quelque chose comme ça avec les gars dans les derniers jours ou prévois-tu en avoir pour qu'il y ait un petit peu de banter entre vous autres? Ouais, j'en ai un peu. Puis il y a eu des petits échanges comme quoi qu'on a envie de gagner, qu'on va pas te laisser, on va pas te laisser marquer, on va tout faire pour vous enlever de la compétition puis passer devant des petits trucs bien drôles pendant. On a juste hâte de se voir sur le terrain. Okay, back to Benedict. Let's try again. Yeah, sorry, thank you. Sorry about that. Matthew, if you advance, you'll play against your brother and Forge FC in the next round. What would that mean for you and your family? It means a lot. I mean, we're already talking about it, even though we didn't play the game yet. But, against Halifax, but yeah, for sure. If we win against Halifax, it will be amazing for the family and for me and my brother. So we looking up to this game very highly, and we want to play against. We're already talking, me and my brother, about it. So you just want us to win and that to play against us. Olivier Tremblay.
Salut Mathieu. Écoute, c'est exactement là que je m'en allais. Est-ce que tu as échangé avec David, voir est-ce qu'il t'a donné des petits pointers sur Halifax pour s'assurer que vous puissiez jouer ensemble? Comment ça se passe de ce côté-là? Ouais, on s'en parle beaucoup de la compétition puis du match qu'on pourrait jouer contre. Non, on n'a pas parlé vraiment de Halifax. On se parle plus du match peut-être à venir. Mais nous, on sait qu'ici, on doit jouer à Halifax avant de jouer contre Forge. Donc, on est concentré là-dessus. Mais oui, j'ai eu beaucoup d'échanges avec mon frère là-dessus. Cédric Engon. Excusez, j'étais sur mute. Salut Mathieu. Une question que j'ai posée un petit peu au coach. Sur un match comme ça, qui peut devenir un match piège, parce qu'on a vu l'exemple, je pense, il y a 3 semaines avec Vancouver contre Pacific FC. Quel est son discours? Et puis, entre vous-même, est-ce que vous dites, est-ce qu'il y a ça et ça qu'il faut éviter? Parce qu'un petit stade comme ça, 6000 places, ça peut tourner au cauchemar, quoi, avec l'ambiance locale. Non, on sait que cette équipe-là vont tout donner, vont être à 200%. Donc, nous, il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Et je ne vois pas pourquoi on les prendrait à la légère. C'est une bonne équipe. Il faut arriver là comme tous les autres matchs puis nous donner à fond pour gagner ce match-là. Donc, faut vraiment pas les prendre à la légère. Gavino de Falco. Merci beaucoup, Pat. Salut, Mathieu. Mathieu, Halifax n'a pas perdu à ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais regardé le match Blainville-Halifax, un match très, très musclé avec des tacles très en retard. As-tu l'impression qu'il va falloir prendre les devants rapidement dans ce match-là parce qu'il risque d'avoir un peu de débordement? Merci. Non, je ne pense pas. Ben, c'est sûr que ça serait le fun de prendre les devants le plus rapidement possible puis se mettre à l'abri. Mais je pense qu'on va être en mesure de contrôler le match, d'avoir le ballon. Puis si ça ne se passe pas au début de match, on est sûr qu'on va avoir des occasions un peu plus tard pendant le match. Donc, il faudra juste rester calme. Puis même si on ne marque pas au début de match, rester calme, garder le ballon et se créer d'autres occasions plus tard. Est-ce qu'on a une dernière question pour Mathieu ou c'est comme ça que ça se termine aujourd'hui? Je pense que oui. Merci beaucoup, Mathieu. Bon déplacement à Halifax. Merci à tout le monde. Salut. Merci. Ouais. Voilà, ça complète pour aujourd'hui. Et la prochaine, ce sera après le match mercredi. Je vous rappelle, l'heure du match, heure de Montréal, c'est 17h. Merci. Salut tout le monde.